La chasse à la battue, une tradition nord-béninoise qui perdure malgré l'urbanisation et la désertification avancée. Raison pour laquelle, ici à Parakou, elle est régie par un certain nombre de lois et codes afin de la transmettre aux générations futures. Premièrement, c'est interdit pour ramasser noix d'acajou. C'est interdit pour tuer pentacle de la maison. Il y a le œuf de pentacle de la maison. Tout c'est interdit. Son amende, c'est 1000 francs qu'il paye. Si vous allez tuer le pentacle de la maison, c'est 10 000 francs que tu payes. Si vous allez prendre la coque de la maison, c'est 5 000 francs que vous payez. Le roi des chasseurs de Parakou, Daran Sounou, est le responsable des eaux et forêts. C'est une collaboration étroite afin de préserver la faune et la flore. Avant toute expédition de chasse, le capitaine Florentin Akobi, épaulé par le roi des chasseurs, font un rappel des mesures à respecter pour une chasse réussie et une faune protégée. Entre tradition et modernité, le juste milieu est ainsi trouvé.